alors, on s'en va. On n'est pas aveugle. Il dira... J'ai été long. Ouais, ça on le sait. Allez, descends. Bah alors, qu'est-ce qu'il dira? Il dira mes enfants. Ou mes petits choux. Ou mes petits poulets, comme dit Bertoun. Ou des trucs qu'on connaît pas, des mots à lui. Mais non, vous n'y êtes pas. Il dira mes chéris. Pas d'histoire, c'est toujours ce qu'on dit aux gens qu'on aime et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mes chéris, me voilà. Mes chéris, me voilà. Allez, allez, mes les chéris, enfants, me voilà. Faut rentrer, hein. Sinon, grand-papa va encore nous chanter la tyrolienne. Le Ferdinand, j'avais mes choux. Premier. Titut. Et si on n'était pas là, quand papa reviendra? Mais t'es bête ou quoi? On fait pas, on y sera. Mais si des fois vous êtes à l'école? On y sera, un point, c'est tout. Bah alors, ça sera un jeudi ou un dimanche, forcément. J'ai trois vaisseaux sur la mer jolie. J'ai trois vaisseaux. Allez, Martin. Sur la mer jolie. Et sur la mer jolie. La barrière. Attention. N'allez pas vous saloper. Si, t'en as pas marre de peindre tout en vert? En vert et contre tout. Je peux pas. Je peux pas y aller. Ne me demande pas ça. Jules, ça fait 5 ans. Je peux pas. T'as vu comment tu t'es arrangé? Tu veux rester habillé en semaine tout le dimanche? Une femme qui a horreur d'être dorlotée. On a vu ça nulle part, hein, sauf chez moi. Non, j'ai jamais eu l'habitude. Faut tout de même bien qu'un homme serve à quelque chose. N'oublie pas mon corps, Jules, parce que dis donc. J'en ai pour 2 secondes, j'ai une lame toute neuve. Ça va saigner. Avoir ça, c'est dégoûtant. Ah, ça y est. Tu te rappelles quand je t'apportais des gâteaux à la crème? Tous les dimanches. Et dire que je les bouffais toujours tout seul. Et tout? Oh, la froid, ma petite poule, dépêche-toi. Tout? Madame n'aimait pas ça. Elle grignotait bien la moitié d'un pour me faire plaisir. T'as déjà vu une femme comme ça, toi? Elle aimait pas les gâteaux, elle aimait pas les bijoux, elle aimait pas les toilettes. Non, mais viendront pas, ma poulette. C'est trop près du mur. Ils ont peur. Elle aimait pas danser, elle aimait pas sortir, de quoi se flinguer. J'étais comme ça, qu'est-ce que tu veux? Une vraie sauvage. J'avais pas l'habitude qu'on s'occupe de moi. Ça me faisait drôle. Je peux pas t'expliquer. On a froid! Ferme, on dit! C'est trop bas, trop près du mur. Ici, conneries en partant, ça sert à rien. Et jamais un mot d'amitié, hein? Rien, car je peux pas mieux te dire le mur d'en face. Oh, c'est pas un homme, cet homme-là, c'est une pendule. Vive le dimanche. Tu vas la fermer, toi? Salut, Julo. Salut, camarade. Dis, tu veux me dire pourquoi tu gueules comme ça? On est les derniers clients, j'espère pas quand même en rajouter d'autres. Bonjour, Maurice. Bonjour. Maurice. Ça suffit. Bonjour. C'est mignon, hein? Hé, hey, on dirait que ça va comme tu veux, t'as l'air tout content. J'ai eu ma réponse à ma demande d'un HLM. Parce que c'est bad, pardon. Surtout la salle de bain. Des robinets partout. Eau chaude, eau froide, eau mitigée. Oh, je t'offre une menthe à l'eau pour arroser ça. Je déconne pas, Jules. Qu'est-ce que t'attends pour aller faire la demande? Recommence pas, Maurice, je t'ai déjà dit. J'aime mieux ma carrée. T'es pas un carabot pour rien, mec. Ah. Une vraie tête de mule. Une salle de bain?
Une salle de bain, nom de Dieu! Mais j'en ai rien à branler de ta salle de bain! D'ailleurs, leur baignoire, on veut pas s'y foutre sans s'y cogner les genoux! Et les caramouilles t'emmerdent! Écoute, Julo, faudra quand même que tu te décides! Non! Mais enfin, Julo, tu veux pas comprendre ou quoi? Écoute-moi, une salle de bain, tu ouvres un robinet, ça sort! Et alors? C'est fait pour ça, non? Où est le miracle? Tiens, c'est tout ce que j'ai pu faire. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Le miracle à côté d'ici, il est partout. T'as été voir autour? C'est rien que des pelouses, on en mangerait. T'y as été ou t'y as pas été? Non, j'irai pas et lâche-moi, Maurice, tu me fatigues. Il y a même des bacs à sable pour les mômes. Au lieu de patauger dans la gadoue, merde. Mais oui, t'habites pas, je sais ce que c'est. J'ai vu les tout premiers, figure-toi, même que ça a épaté tout le monde. Mais moi, alors... Toi, ça ne t'a pas épaté. Tu trouves ça chouette comme horizon, ce quartier défoncé, avec l'impasse au bout, la pompe à merde en été, les rats qui grignotent les cabanes? M'en fous. Quand je suis chez moi, je vois pas lourd, j'ai ma palissade. T'avais qu'à t'en faire une, toi. Oh, merde, d'accord, Julo, t'as ta palissade, ta fontaine, dans ta cour, t'es propriétaire, toi. T'as tout compris. Dans ton HLM, t'entends pisser le voisin trois étages plus haut. Ben, j'aime pas qu'on sache à quelle heure je pisse, moi. J'aime pas les petites carrées empilées les unes sur les autres à la mode à Merlot. Avec dedans les mêmes placards, les mêmes plumards, à la même place, parce que c'est calculé pour qu'on puisse pas les mettre ailleurs. Je veux pas être un bouton de vareuse rigoureusement identique à celui du dessous. Merde! Moi, là, mais j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol! Les casernes, je les ai assez vues. Quand je les revois, je suis le cafard, je bois du noir. Je suis un individualiste, moi, camarade. Et les chiottes? Tu y as pensé, Julo, aux chiottes? Des chiottes avec une chasse d'eau? À côté de ces satanées tinettes, pleines de mouches puantes? Il y a des mouches? Non. C'est pas propre? Si, c'est propre. Touche. Ça va, j'ai compris. Touche. Tous les jours, elle les astique, Bertoun. Au savon noir. Lâche-moi, tu m'étrangles. Le bonheur, c'est le confort. Et en plus, ici, t'as de la lecture pour éduquer les basses. C'est pas beau, ça? C'est pas une belle maison, c'est pas une grande maison, mais c'est ma maison. Et je l'ai construite tout seul, avec les deux mains que tu vois là. Elle a résisté à tout, bombardement. Et même à l'explosion du train de munitions. Tu te rappelles? C'était juste à côté. Oui, Julo, je me rappelle. Les munitions, c'était le train de maman. C'est bien. Je t'ai dans ses bras quand ça a explosé. Ceux de Bertoun, on t'a déjà dit. Et toi? Oh. Toi, t'étais avec Titi et grand-papa. Alors, elle est morte toute seule. Comme du regard, la reine des agents. Mais à quoi ça sert? Tu voudrais lui ressembler quand tu seras grande? Moi? Mais qu'est-ce que tu voudrais alors? Partir avec elle. La faire prisonnière dans une grotte. J'aurai un fouet. Un fouet? Mais pour quoi faire? Pour commander. Et alors? Elle obéit? Elle accepte. Quoi? Je sais pas. Elle est prisonnière. Elle saigne. Mais j'ai pas accepté par magie. C'est drôle ça. Bah, c'est parce que je l'aime. Tiens. Ouais. Combien il prend de sucre, Torres, dans son café? Ah, t'as jamais compté, là? Frère, un canard. Vas-y, mon petit. T'es beau? Dis, grand-papa, est-ce qu'on est des pauvres? Eh bien, évidemment. On peut estimer qu'on n'est pas riche. Mais enfin, tu sais,
Brigitte, pourquoi tu me poses des questions comme ça? T'es pas heureux chez ton grand-père et ta grand-mère? Si, mais moi, quand je serai grande, je gagnerai beaucoup de sous. Ah bon? Ah, et qu'est-ce que tu en feras, tous tes sous? Ben, je t'achèterai une grande maison pleine de fenêtres. Tu vois, Julot, les mômes, ça a besoin de soleil, d'oxygène. Les mômes, ça a besoin de fenêtres. Mais quand ils voudront partir, ils partiront. Ils sont libres. Mais moi, je resterai ici. Chez moi. Tu crois qu'on ne connaît pas ton zizi? Dis, tout le monde meurt, hein? Et l'argent, et la mort. Arrête avec toutes tes questions. Tu vas finir par te donner la fièvre. Mais je veux savoir. Et toi aussi, tu vas mourir? Toi, t'as de la fièvre. Mais réponds. Mais dans longtemps, ma poulette. Pas tout de suite. Ah, faut pas y penser. Et moi? Moi aussi, je vais mourir? mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle va chercher? C'est tellement difficile à imaginer, sa poulette. Puis c'est tellement loin. Mais alors loin, que c'est comme si c'était pas vrai. C'est comment quand on est mort? C'est tranquille. Au moins ça, c'est sûr, c'est tranquille. T'as fini? Bah oui. Bah alors va mettre ton pyjama, tu vas attraper la mort au ventre. Moi, je veux pas qu'on meure. Mais ma petite chérie, je te dis que c'est même pas la peine d'en parler tellement c'est loin. Tu vas grandir, tu vas devenir une belle grande fille. On aura une maison pleine de fenêtres. Tu te rappelles que tu vas gagner plein de sous, hein? Mais c'est à ça qu'il faut penser. Mais après, on meurt. C'est pas la peine. Je veux pas qu'on meure du tout. Ou alors, on n'a qu'à mourir tous. C'est pas la peine d'attendre. Ça fait mal? Non. Sauf si on le fait exprès. Si on le fait exprès, ça fait vraiment mal. Parce que tu le fais exprès, je te dis. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et autrement, ça fait pas mal. Non, pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il a? C'est rien. Et puis, plus on est vieux, moins ça fait mal de mourir. C'est pour ça qu'il faut vivre très longtemps. Et comment tu sais ça, toi? Je sens bien que ça me ferait pas mal du tout. Allez, dors. Faut dormir, les garçons, hein? Heureux avec nous, les enfants. T'inquiète pas. Oh, je pensais pas à ça. Quand même. T'as déjà vu un père pareil, toi? Plus de 4 ans. Bientôt 5, même. Jamais un sou. Une carte postale avec des mots vagues. J'essayerai, je tâcherai. Et encore. Tous les 36, du moins. Alors, on se dit peut-être qu'un jour... C'est pas demain qu'il reviendra avant. Allez, dors. Madame.
maudite. Et puis, ça lui a pris la gorge, et puis ça lui est tombé sur la poitrine. Oh là, c'est mauvais la poitrine. Bah oui, alors. Bon, chérie, toi. Elle avait plus de jambes. La farine de moutarde. Ah non, pas cela, mon titi. J'ai dû jusqu'à 500 grammes, cela. Fais attention à tes doigts. Ah, Marie, Marie. Des plaques que de mourir d'une maladie. Tu sais que papa, il va revenir. Non, sans blague. C'est vrai? Il en est question. Eh ben, je vois que ça te fait plaisir. Salut, ma Julie. Eh bien, le bonjour à Julo, par lui des Nachelem. C'est ça. T'as pas eu trop froid, mon petit? Ouais. Il n'a pas de sous, ces histoires ne sont pas claires. Je sais bien, mais je m'en fous. Pour moi, il n'y a qu'un homme dans Paris, c'est lui. Rien à faire, mon cœur est pris par lui. Je crois que j'en perds la tête, il est si bête, il ne m'a pas compris. À cette heure. Quelqu'un pour attendre papa. On va pas venir comme ça. Si, Colette et Michou, ils m'ont dit qu'ils resteraient toujours là pour l'attendre. Ils sont à l'école, mon titi. C'est des menteurs. Titi! Titi! Et pas tout que moi je me chauffe, hein? Allez! Si tu crois que je vais laisser passer ça? Ah, maman, tante Bertoune, hein? Bertoune? Oui? Qu'est-ce qu'il y a, mon titi? Il y a que tu devrais lui foutre une bonne raclée à ton titi. Ah bon? Ouais. Parce que si ça continue, ton morpion, il va se faire virer de partout. C'est une peste, ça choléra. T'as drôlement intérêt à lui redresser les côtes, moi je te le dis. Oh là là, arrête de gueuler comme ça. Je gueule pas, je m'explique. Alors explique-toi moins fort. J'ai ma journée sur le dos, moi. Je voudrais un peu de calme, du calme. Oh là là, en voilà une faiseuse d'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait, mon petit, hein? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire, ce pauvre innocent? Mais je me demande jusqu'à quel âge les mômes sont innocents avec toi. En tout cas, moi, je veux pas que mon fils devienne une graine de voyou, je te préviens. Oh, pourquoi pas d'assassin pendant que tu y es? Arrête, tu me fatigues. Et puis, pousse-toi, tu me gênes. Mais tu vas me laisser parler, oui ou non? T'as qu'à le mettre chez les frères, ton morpion. C'est ton père qui sera content. Non, pas attention. Maman, moi, j'ai eu zéro faute. Hé, écoutez. C'est chez toi que ça gueule comme ça? Mais ça en a l'air. Oui, c'est la grand pas, je reconnais sa voix. Vous en voulez une tout de suite? Allez! Ah, le fumier à l'ordure, ah, la pédale, tu l'as eu dans le cul. Bon, ben, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ben, bien sûr, avec l'exemple qu'il a, c'est normal que tu trouves ça naturel. Quel exemple? Tu sais très bien ce que je veux dire. Ça picole, ça picole, ça sait même plus ce que ça dit, même devant les mômes. Dis donc, toi qui as une si grande gueule, t'as pas besoin d'intermédiaire. Alors, va dire ça à Jules. Je suis sa femme, pas sa concierge. Ah, mais si tu crois que ça me gênerait. Seulement, faut choisir son jour. Il est déjà blindé, son Jules. Elle est pas sortie de l'auberge. Toi, occupe-toi de tes fesses, au lieu de gratter la crasse des autres, hein. C'est vrai, mon Jules picole et il est mal embouché. Mais il travaille pour nourrir ses enfants, lui. Il a toujours travaillé, lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Va le demander à ton feignant. En tout cas, son feignant, comme tu dis, il s'occupe quand même de ses enfants. Oh, ben, hey, il a des loisirs. Peut-être.
Mais c'est pas évaporé sur les océans, comme ton gendre. Ça donne quelque chose à toi. Faut dire qu'elle a du mérite, Bertourne. À son âge, avec ses trois marmots sur les bras, qui n'ont quasiment plus ni père ni mère. La pauvre. Toi, fais attention à ce que tu vas dire. Ma fille est une victime de guerre. N'oublie pas. Mais le navigateur, je te jure qu'il reviendra, rien que pour te faire fermer ta grande gueule, si des fois j'y arrivais pas. C'est vrai qu'il va revenir, ton père? Évidemment. C'est une surprise, mon père, lui, il adore faire des surprises. Ouais, fais donc pas attention à ce qu'elle dit. Celle-là, c'est une vraie langue de putain sans pratique. Oui, mais quand je dis, je te jure, je la baisserai pas. T'as quelque chose à voir dans cette histoire? Écoute, mémé, je te fais mal poli depuis tant que je suis ta mémé à toi. Putain sans quoi? Putain sans pratique, tu sais pas ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'on a à dire de mes petits, hein? Dis, c'est pas des fils de Boche, ni d'Amerloc. Il y en a combien ici qui peuvent en dire autant, hein? Si on comptait, histoire de rire, toutes les filles à soldats qui figurent aujourd'hui pouvoir ramener leur gueule, hein? Elle a pas tort. Bah dis donc, toi. Allons, allons. Ils sont sales, mes mômes. Ils ont des poux, peut-être. Comme les petits bicots d'à côté, qu'on les voit tomber sur leurs cils. Oh, mais à eux, personne n'ose rien dire. Des fois que le père vient de vous ouvrir le ventre, hein. C'est vrai? Là, au moins, il y aurait à dire. Pourquoi tu dis pas? C'est sûr, à cause de quelques-uns, on vit tous dans la crasse ici. Chez moi, il y a eu une invasion de punaises, figurez-vous. Nous aussi. Étienne a été obligé de brûler tous les bois de vie au chalumeau. Ça nous vient du Saint-Esprit. Et les rats, donc? Oh non, on parle pas des rats. Si, justement, les rats et le reste, c'est pour ça qu'on crève. Alors, faut le dire. Vous avez pas marre, vous, de vivre dans des conditions pareilles? Moi, j'en peux plus, vous entendez? J'en peux plus! Mais arrête! Allez, va, ça va passer. Non, ça passera pas! Il a raison? Pourquoi faudrait toujours se taire, hein? Parce que ça sert à rien! Qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais essayé? Mais à que faire une prédiction? C'est ça! Regardez-vous, arrêtez! Tu lui fais mal. Vas-y, cherche. Où est-ce qu'il y en a des poudis? Arrête, Fatia. Pas un pou. Et tu le sais que leur père, il est mort zigouillé par les Boches. Oui, mort pour la France. C'était écrit sur le papier. Et s'il y en a un ici qui dit que ce gosse, ils sont pas français, moi, je lui casse la gueule. Mais enfin, ce que j'ai dit, moi, que... Oui, c'est ça, ne dis rien, surtout. Allez, avancez. Allez, arrive. Viens donc, je te dis. Allez, viens donc, on va s'en jeter un. Allez, je suis en escale, merde. Allons, prends-le, pas de manière, entre nous. Allez, faire une sacrée surprise à mes mômes. Ils sont dingues de moi, ces mômes-là. Ils m'envoient tout le temps des lettres avec des petits dessins. Moi, j'ai pas toujours eu le temps de répondre, mais je te jure qu'on va rattraper ça. Oui. T'as des gosses, toi? Ouais. Voilà, patron. Bonjour. Ça va? Deux rouges vimés. Et deux petits verres de pouce au film, hein, pour faire passer la soif. T'en as combien, les mômes? Trois. Tiens, comme moi. J'ai deux gars et une fille. Ils vont sauter dessus comme des dingues. Ah, excuse-moi, je te parle de mes gosses et je te fous le cafard. Non, 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 c'est pas ça. Moi, les mômes, je suis jamais par qui le voulait prendre. Ah ouais? T'as quoi les prendre par le cou, mon pote? C'est le plus efficace. Allez, va. Et que nos femmes soient jamais veuves. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? T'as la poudre? Colette est allée en prendre chez le pharmacien. Tu parles. Il comprend vraiment rien, ce pharmacien. C'est ce qu'il m'a dit, que la poudre de perlimpinpin, ça n'existait pas. Tu lui as demandé du perlimpinpin? Bah, non. C'est bien ce que t'as demandé? Il comprend vraiment rien, sûr. Alors, je vais expliquer. Mon Dieu, il y avait du monde? Plein. Qu'est-ce que t'as demandé exactement? Ben, je vais expliquer, je te dis. Que c'était un truc pour faire dégobiller grand-papa quand il était noir.
Parce qu'autrement, elle cassait tout. Mais tu te rends compte, ma poulette devant tout le monde. Et si jamais quelqu'un allait lui répéter à grand-papa, qu'est-ce qu'on deviendrait? Nounouille, tu pouvais pas lire ce qu'il y avait marqué sur le sachet? À quoi ça sert de savoir lire, hein? Nounouille, j'en ai marre, la prochaine fois, j'irai pas. T'avais qu'à me le dire, toi aussi t'avais qu'à me le dire, grand con. Toi, tu vas pas me dire à la prochaine fois. C'est vrai, elle a pas tort, on aurait pu lui dire. C'est pas de ta faute, mon petit chou. Et pourquoi tu pleures? Parce que j'en ai marre de tout. Le v'là. Comment il est? Noir. Je l'ai jamais vu aussi noir. Je t'en supplie, ne le contredis pas. Essaie de pas le contrarier. Dis, laisse-le débloquer tout seul, va. Le retour du travailleur. C'était le titre d'une dictée. Quand je t'explique. Pas aussi petit que toi. Oh, Titi. Enfin. Bref. Et chaque membre de la famille se précipite pour l'embrasser. Où êtes-vous passé, membre de la famille? Hein? J'entends rien. J'entends juste ces saloperies de chiens qui gueulent au loin. Et encore de très très loin. Bon, papa, tu vas bien? Tu veux tes savates? Eh ben. Pourquoi tu viens pas embrasser ton grand-père, mon titi, hein? Viens embrasser ton grand-père. Toi, fais pas semblant de ne pas me faire la gueule, hein? C'est pas la peine. Allez, viens embrasser ton grand-père. Qu'est-ce que t'as encore fait à manger à ton âme? Oh! Viens voir. Fais voir ce que tu décides. Hein? Tu l'aimes, ton grand-papa, ma petite poule. Il t'aime, tu sais. Il vous aime tous. Comme personne ne peut vous aimer. Si? C'est pas vrai ce que je dis là? Mais oui. Mange, mange. Toi, attention, hein? T'as pas eu trop froid, grand-papa? Tu vois, mon petit bichou. T'es encore trop petit pour comprendre. Mais, quand tu seras grand, je t'expliquerai. Je t'expliquerai et tu me comprendras. Ouais, ouais, grand-papa. Mange, c'est bon. Mange. Toi! T'en veux, mon garçon? Allez, mange. Mais viens, mon titi, viens! Est-ce que ton grand-père, il t'a déjà fait du mal? Non! Mais laisse-les tranquille, mange! Ou alors va te coucher. Tu vas encore être malade. J'ai pas faim, est-ce que j'ai le droit? Et puis change de gueule! N'essaie pas de me prendre pour un con! Ah non, mais alors, allez, mange, Marie! Non, mais quelle vie! Va te coucher! J'étais un bête! On dit va te coucher! Va te coucher! Sale bête! Je suis pas une bête! T'entends, Michou? Rappelle-toi bien ce que ton grand-père te dit, hein? Un homme! C'est pas une bête! Voilà! Un homme, c'est. C'est pas une bête! Là. Comme le tes blanc. Petit comme toi! Mon tété! Ça va pas, mon minet? Oh là là, elle a de la fièvre! Merde! Je me sens pas bien tout d'un coup! Mais vraiment pas bien! Forcément! Tu bois, tu bois! Tu sais que ça te rend malade, mais il faut que tu picoles quand même, c'est malheureux. Hein. Allez, viens, viens t'allonger. Sans pas. Attends, pas bien. Tu veux que je t'aide? Toi, j'y dis. Ça marche, les enfants. Vite, Michou. La poudre. Vite. Dépêchez-vous. Vite. Vite. Secours. Vite. Ma bouteille. J'allais l'arranger, je croyais que t'en voulais plus. Pourquoi tu vas pas te coucher? Jules, la petite est malade. Elle a de la température. On la soigne, elle va guérir. T'en fais pas. Si,
bien. Ton gars obéit bien. Aveuglément obéis à tes maîtres. Arrête, ça sert à rien, du tout. Je te traiterai comme un chien. Arrête, tu vas arrêter, gaga. Tu voulais pas te soumettre. Allez, emballe les gosses et foutez-moi le camp. Quitte la couverture. Foutez-moi le camp. Salaud. Mais là, serre-toi ou je te démolis. Salaud. Ne réponds pas, pourquoi est-ce que tu réponds? On perd pas ce chien qui morde. Toujours. Salaud. Si seulement tu pouvais tomber à fond de cadre, sois tranquille, une fois pour toutes. Vous allez foutre le camp, oui. Si elle meurt, je te tuerai de mes propres mains. Alors, il paraît que je voulais ventre à coups de couteau, moi. Je peux entrer? Ou tu veux chauffer la rue? Quand on accuse, faut dire le nom. Sinon, tout le monde y prend. Tous les frères. Tu crois que j'ai pas assez d'emmerdement comme ça? Tu peux rester là, Bertoune. Tu peux rester là tant que tu veux. Merci, Patia. Pourquoi tu dis ça? Moi, je fume pas, je bois pas. J'élève les enfants de mon frère. Toi, t'es une brave femme, tu vends ton poisson à crédit. C'est pas bien, ça, Bertoune. Où tu vas, toi? Chercher la police. Parce que j'ai dit ça à Bertoune? Parce que je veux pas que grand-papa casse tout dans la baraque. Le navigateur a écrit. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit? Il espère venir vers Noël. Ou à Pâques. Ou à la Trinité, c'est Bertoune qui l'a dit. Bon, excuse-moi pour hier soir, Ali. Hein. Pas grave, Julo. Allez, oublie. Allez, au revoir, les enfants. Au revoir. Allez, les enfants. Et qu'est-ce qu'il y avait encore dans cette lettre? Une carte postale, des photos. Hein? À moitié raté. Tiens, regarde. Ah, ça, c'est le bastingage du bateau. Et là, c'est la bouée de sauvetage. Et les voiles, elles sont où? La photo est trop petite pour qu'on puisse les voir. C'est pas son habit de navigateur, ça? Là, c'est un palmier, avec des vrais palmes. Et pourquoi que les gens sont si mal habillés? C'est un jour de semaine, ma poulette. C'est des gens comme nous, ils travaillent. Mais les plus belles, il va nous les apporter après. Il les a mises dans un gros album de peur qu'on les abîme, qu'on les perde, qu'on leur fasse des cornes. Quand il est parti, on était vraiment petits, hein. C'est pour ça. C'est vrai ce que dit Michou, qu'il est très grand avec des yeux dorés? Dorés? Bah, c'est toi qui me l'as dit, tu te rappelles pas? Même qu'il a un grand sac blanc. Plus grand que toi? Ouais, je crois bien. Et même qu'il a des épaules larges comme une porte, pas vrai? Bah, il a peut-être un peu maigri. C'est le chagrin. Et ses pieds, il a des grands pieds, tu te rappelles? Même que je monte à cheval dessus pour jouer à la balançoire. C'était il y a longtemps. Tiens, un volant. Hé, je vous emmène. Et puis ses mains, des mains presque aussi blanches que les miennes. Il a peut-être un peu grisé sur son bateau. Ouais, mais moi je me souviens. Bien, hein. Au vélo. Et puis entre les deux épaules, il avait des poils tout doux. Ben j'en sais rien, moi, je n'ai jamais vu un poil. Mais oui, mais moi, je me souviens. Et puis quand il reviendra, eh ben, il nous apportera des cadeaux magnifiques. À moi, il m'apportera des peintures qui s'étalent seules et puis qui brillent. Et oui. Pour tes oui, bon, ben ça va, on y va.
Mais qui te dit le contraire? La voir là, en mer, j'y pense tout le temps, comme si j'y étais pour quelque chose. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Je le sais que j'y suis pour rien. Allez, viens voir tes gosses. Et tu te souviens bien, toi, qu'elle avait tout le temps les nerfs en plot et que c'était pas vivable? C'était pas de sa faute. Et ses parents qui lui donnaient toujours raison. T'as jamais voulu comprendre? Si t'avais été là le jour où le train de munitions a sauté, j'étais en pique-nique peut-être. J'ai pas dit ça. C'était l'enfer, Simon. La nuit en plein jour. Ça continuait, ça continuait. Il pleuvait des pierres et des cendres. Il pleuvait des morceaux de gens. Et nous, on était là au-dessous, à attendre notre tour. Quand ta femme s'est relevée, la figure pleine de chair saignante, elle a vu nos yeux, tu comprends? Elle s'est touchée le visage. Elle a hurlé en voyant cette bouillie rouge sur ses mains. Elle a hurlé pendant des jours et des jours, sans qu'on puisse la calmer. Alors si c'est ses nerfs qui l'ont conduite jusqu'au canal... Justement, pourquoi ils disent que c'est à cause de moi? Je n'ai jamais entendu dire ça. Le penser me prend pas pour un abruti. C'est tout de même pas pareil. Et puis tu te rends compte à quel point c'était insupportable pour eux d'avoir survécu à la guerre. Et pour moi alors? Écoute, Simon, tous les parents du monde te diront la même chose. On retrouve toujours une autre femme. Un enfant, jamais. Et c'était leur fille unique. Parce que j'ai l'air d'avoir retrouvé une femme. On va pas. Pourquoi tu picoles? Écoute, ta grand-mère me fait régulièrement la morale. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Je te fais pas la morale. Je te demande pourquoi. Pourquoi? Est-ce que je sais, moi? C'est vrai, c'est pas chouette. C'est pas malin. Si la question était simple, j'aurais trouvé la réponse depuis longtemps. J'en sais rien, moi, pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux pas commencer. À tout à l'heure. Mais avant de commencer, pourquoi tu commences? Écoute, comment veux-tu que je t'explique? Tu me fais suer, hein? Je suis un vieux con. Faut pas m'écouter. Il faut pas picoler, faut t'instruire. C'est tout. Alors, depuis le temps, tu dois la savoir. L'horizon est... Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu l'as apprise ou pas, ta leçon? L'horizon est une ligne imaginaire où le ciel semble toucher la terre. Et ben voilà. Pourquoi tu dis que tu sais pas? J'en sais rien, moi, je sais pas. T'es folle. Ma sœur est folle. Piquée. Complètement piquée. N'en avoir qu'une et une comme ça. Elle a raison. Les mots, ça veut rien dire. Viens voir, ma petite poule. Tu vois, l'horizon, c'est... Merde alors! Ils m'ont tout bouffé sans que je me l'aperçoive. Qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Non, mon petit, ça se mange pas. Allez, viens. Viens avec moi. Oh, les salauds! Oh, les salauds! Non, faut quand même que tu vois ça parce que bientôt il faudra sortir du département pour le voir. Allez! Les manteaux. Toi, Titi, t'écarte bien les pieds, hein? D'accord. Bon, vous allez... On va voir l'horizon! Dis,
raconte encore quand tu m'as trouvé dans la neige. C'était la guerre, c'était l'hiver. On avait si faim et si froid que les larmes coulaient toutes seules et que le vent les gelait aussitôt. Dehors, tout était si blanc que t'avais mal aux yeux. Et rien que de sourire, t'avais mal aux dents. Un de ces jours, j'étais en train de casser du bois, j'entends comme un crépitement qui venait du ciel. Et je vois un petit avion qui tournait au-dessus de moi en jetant des bouts de papier. Je sors. Mais il est où l'horizon? Ah ben, que tu veux que je te dise, moi? C'est toujours comme ça quand elle a de la fièvre. Je vais lui faire une ordonnance. Puis la fille du roi, elle était à sa fenêtre, était à sa fenêtre. C'est vrai qu'il va revenir, ton père? Évidemment. Quand ça? C'est une surprise. Mon père, lui, il adore faire des surprises. Quand papa il reviendra, il dira c'est moi. Quand il est parti, on était vraiment petits, hein. C'est pour ça. C'est vrai ce que dit Michou, qu'il est très grand avec des yeux dorés? Dorés? C'est toi qui me l'as dit, tu te rappelles pas? Même qu'il a un grand sac blanc. Et même qu'il a des épaules larges comme une porte, pas vrai? Bertoun, les statues! Mais je suis là, ma poule. Il n'y a pas de statue. Il n'y a pas de statue. Oh, c'est que la fièvre, ça va passer, là. Mais il dit que c'est une pelle, mais c'est pas vrai. C'est une hache. Va voir l'horizon. Va voir l'horizon! Non, ma poulette, non. La pierre est partie. Les statues aussi. Y'a rien. On est que toutes les deux. Pas peur, mon minet, je suis là. Écoute, elle est réveillée, n'entre pas. Tu lui fais peur, on n'y peut rien. Ne te tracasse pas, Jules. Ça va passer, c'est la fièvre. Allez, pour faire plaisir. Faut bien arroser mon retour. Simon et tes enfants. Ils sont passés de moi pendant 5 ans, ils peuvent bien attendre 10 minutes, moi. Deux canettes, patron. Non, un Vichy. Eux aussi, de toute façon, ils m'accuseront. Faut bien coupable, hein. Ils me reprocheront d'avoir pu siffler, me promener, jouer aux cartes. Même chose. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Je reste là à lui tenir la main pendant qu'elle pleurait des heures et des heures et qu'elle piquait ses crises. Personne ne peut me reprocher d'être parti pour rester vivant. Vivant. À ta place, j'essaierai de me calmer un peu. Ce qu'ils peuvent te reprocher, c'est de ne pas te demander si les gosses ont besoin de fringues, de livres, de jouets. Est-ce que je sais? Déjà que les enfants, c'est des gouffres, rien que pour la nourriture. Tu y pensais? Attends, tante, si on croirait pas que je roulais sur l'or. Moi aussi, j'en ai bavé. Quand on s'est marié, j'avais 17 ans. Elle aussi. Je vois. C'est trop facile de m'exécuter. Écoute, Simon, personne veut t'exécuter. Faut que tu comprennes. Ton pire ennemi, c'est toi. Et puis arrête de boire aussi. Mais pourquoi j'arrêterai? Parce que tu vas voir tes mômes.
Je t'emmerde, Maurice. Arrête, Simon. Je t'emmerde. Toi et tous ceux qui jugent le malheur des autres sans savoir. Hein? Qui sont même pas capables de se conduire en homme quand on les insulte. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Mais tu vas pas te taire, nom de Dieu! Puisque je te dis que je t'emmerde! Regardez-moi ça. Te v'là beau maintenant. Ils vont être fiers de toi, tes petits. Ah, il est mort alors. Pas vrai. Allez, essuie-toi. Mais qu'est-ce que t'as à pousser les gens à bout aussi? Je peux pas y aller comme ça. Hein, je peux pas. Nous avons demandé à ce monsieur de venir à notre micro pour nous parler un peu de leurs travaux et de ce qu'ils ont fait pour la première paire de la ville de Brest. Je vais d'abord m'adresser à monsieur Pipal. Monsieur Pipal, je voudrais que vous disiez rapidement quel était la ville de Brest. Bertoun! J'ai faim! Oh, merci, mon Dieu! J'ai faim! Tu as faim? Qu'est-ce que tu as envie de manger, ma poulette? J'aimerais bien des petits beurres. Les petits beurres. Il est pas là, grand-papa? Mais si, grand-papa! Mais si! Jules! Quand elle était réveillée, elle veut te voir! Ah! Te revoilà. Raconte encore quand tu m'as trouvé dans la neige. C'était la guerre, c'était l'hiver. Le monde était à l'envers. Les branches des arbres se cassaient toutes seules par le froid. Et tout d'un coup, j'ai entendu comme un crépitement qui venait du ciel. Alors, j'ai fait ni une ni deux. Je me suis dit, Jules, t'as trouvé le bout de papier, cette petite fille est à toi, il faut absolument que tu la ramènes chez toi où c'est sa place. Puis d'abord, je me suis dit, ce serait bien d'avoir une petite sœur pour Michou. Et je t'ai porté tout le temps de la guerre, sous les bombardements. Là, dans ma canadienne. Je te sentais roupillé contre mon estomac. C'est pour ça que t'es ma petite fille à moi, tu comprends? À moi. Et à Bertoun, bien sûr. Tu comprends? Tu as entendu, elle veut des petits beurres. Dépêche-toi d'aller en chercher. Des petits beurres comment? Ah mais je sais pas, elle a dit des petits beurres dans du papier transparent. Allez, cours vite. C'est pas cela, le papier était jaune. Mais y'a que cela, c'est pas le papier que tu vas manger, non? Y en a pas d'autres. Mais si, y en a d'autres. Le papier, il était transparent. Y'a que cela, je te dis, j'ai cherché partout. Merde, des petits beurres, c'est des petits beurres. Alors? Rien, je file chez Germaine. Bon, eh bien, ben, j'ai une idée. Bon, moi aussi. C'est pas cela non plus. Mais il n'y en a pas des copes du dit, il n'y en a nulle part. Mais t'as peut-être rêvé, ma petite poule. Ils sont bons, ceux-là. Goûte, tiens, goûte. On a cherché partout, hein, je te jure. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est pas ça, François. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire s'il est noir? On peut
peux quand même pas partir avec la gosse dans l'état où elle est. On partira pas. Merde! Sacré bon Dieu, je suis complètement gelé. Mais vous parlez d'une comédie pour les trouver, ces biscuits à la con. Tu les as? Ouais. Non, sans blague, tu les as? Merde, c'est pas ceux-là, transparent, t'as dit. Transparent. Mais c'est ceux-là! Tu figures que j'aurais galopé pendant des heures pour apporter n'importe lesquels? Surtout qu'on me prenait pour un dingue, je vous raconte pas. Il n'y aurait pas quelque chose de chaud à boire? Qu'est-ce qu'il y a comme con sur Terre? C'est rien de le dire. J'en avais marre, j'y croyais plus, et tout d'un coup, je suis passé devant une boutique. Oh, fallait voir la turne. Rien ne changé depuis l'avant-dernière guerre, même pas la peinture. Dedans, il y avait une vieille qui parlait toute seule. Je me suis dit, Jules, t'es pas sorti de l'auberge. Elle va meuter tout le quartier. Eh ben, jamais tort. Ah, et alors? Alors, elle se l'est rappelée, ces petits beurres. Elle en bouffe toute la journée. Elle pourrait te dire, elle, qu'il y a petits beurres et petits beurres. Ouais, bon, et alors? Alors, elle est allée tout droit me les chercher. Même si c'est les mêmes, elle va pas en vouloir. T'auras dû racheter de la cellophane, on aura refait le paquet avec. C'est peut-être une idée, ça, après tout. Non, je veux pas qu'on lui raconte des histoires. On va lui expliquer. Tiens, ma petite poule. Mais c'est pas ceux-là. Mais si. Ils ont juste changé de papier. Il y a longtemps que tu n'as pas mangé, c'est pour ça. Mais c'est bien ceux-là, je te jure. Goûte, tu vas voir. C'est bien ceux-là. Tiens. Eh ben alors, pour une surprise. Bonjour, Bertoum. J'avais pas reçu mon télégramme. Vous m'excuserez, Simon, mais je peux difficilement vous sauter au cou. Ouais. Alors, les enfants, vous êtes contents. C'est bien que vous arriviez un jeudi. Oh! Mais entrez, vous ne reconnaissez plus la maison? Michou! Colette! Titi! Vous pouvez les embrasser. Ce sont vos enfants, Simon. Bonjour, monsieur. Oh. Bonjour. Ils ont grandi. Tu viens pour longtemps? Pourquoi t'es pressé de me voir repartir? Vous n'avez pas me laissé ce morceau de tarte tout de même. Qui en veut? Moi, moi. Bah, prends-en, Colette. Ça va pas te boucher le trou du chose. Allez, on sépare. Dans ton assiette. Michou. Ah, déjà 3 heures. Va falloir que je m'attarde, hein. Tu pars déjà? Tu veux pas rester plus longtemps? Non, aujourd'hui, non. Je suis de service aux machines. Tu vas me faire voir ton bateau, alors? Ah, non, non, non. Impossible. Les visites sont pas autorisées à bord. Seulement de loin. Juste pour voir les voiles. Les voiles? Il n'y a pas de voiles, c'est dépassé depuis longtemps, les voiles. Alors t'es dans des pays chauds? Il y a longtemps qu'on n'ait pas reparlé des oiseaux. Elle dit ça à cause des hirondelles. C'est une passionnée des oiseaux. Passionnée? Piquée, oui. Elle fait à sa fenêtre, elle
avait ses petits pains comme ça, là, ses petites miettes. Mais c'est pas comme ça. Il y a qu'elle qui sait le faire. Bientôt, il nous poussera un arbre à pain sur la fenêtre. Bourré d'oiseaux. Gros comme des poules. Et qui siffleront, devinez quoi? Là. Le tambour. Qu'est-ce qu'elles font les hirondelles en hiver? Mais j'en sais rien. Je suppose qu'elles volent comme en été. Et toi, là, tu travailles bien à l'école? Ah ouais, tiens, à propos, je t'ai gardé mes carnets de notes. Bah, attends, je vais. Attends une autre fois. Quand on aura du temps. Et toi, tu te souviens pas, tu fais enrager ton grand frère. Pourquoi tu dis ça? Et toi, t'es sage au moins. Faut être sage hein, quand on grandit. Tiens, je t'ai fait des dessins. Plein de dessins. Ah, je vois, c'est bien. Oh, bordel de merde! Dis donc, toi! Eh ben, Simon. Je regrette, mais j'aime pas les enfants mal polis. Dans ce cas, on les élève soi-même, mon gars. Ouais, ça, j'y penserai. Écoute-moi bien, toi. Je te préviens que si tu essayes de me les enlever, je te rejoindrai au fin fond de tes pays pour... Je t'éventrerai, Simon! Parole de carabot! Mais non, vous me faites dire n'importe quoi. Y a pas de quoi en faire un drame. Oh là là, quelle horreur des histoires! Allez, c'est fini. Je suis mis en colère, c'est tout. Tiens, ça porte des. Ça, c'est à toi. Merci, papa. Merci, papa. Tiens. Merci. Ouais, faut que j'y aille. Le travail, ça n'attend pas. Je reviendrai. La porte sera toujours ouverte, Simon. Non, merci. Voilà, je trouve autre chose. Tu rembarques quand? Je rembarque plus, je pose mon sac. Pour de bon? Oui. Encore 3 jours à tirer, puis je bâche définitivement. Merci pour le repas. À bientôt. Il avait vraiment le feu au train. Le travail, ça n'attend pas. Vous m'aidez, les enfants? Allez, on est de Bertoul. Qu'est-ce que ça veut dire, défini? Définitivement, ça... Ça veut dire pour toujours. Il va habiter avec nous? J'en sais rien. Mais... Je crois... Il n'aime pas beaucoup la maison. Pourquoi? Fais pas, nous, on l'aime. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas lui. Qui? Mais papa, c'était pas papa. Oh, dis pas de bêtises. Mais je t'assure. Mais Colette. Mais j'ai bien regardé ses yeux, ses pieds. Papa, quelqu'un l'a tué pour prendre sa place. Ou alors, on l'a fait prisonnier quelque part et on va nous demander de l'argent pour qu'il revienne. Arrête avec ces histoires. Mais c'est vrai. Tu parles, c'est bien le nôtre, oui. Il est petit, il est triste et on l'intéresse pas. La voilà la vérité. T'as pas le droit de dire ça. Ah bon? Et si c'est pas lui? Pourquoi Bertone et grand-papa, ils l'ont reconnu? Et Titi et moi? Pourquoi elle savait tant de choses sur nous quand on était petits? Ça fait partie du piège. Ouais, bien sûr. Et c'est Durgarani, la reine de la jungle, qui va le sauver, peut-être? Mais c'était pas lui, c'est pas possible! Écoute, Colette. Moi aussi, j'aurais bien voulu que ce soit pas lui, mais... Colette? Ouh. Tu sais, papa, il est comme il est. Et toi, on t'a pas trouvé dans la neige. T'as entendu? Je suis pas sourde. Alors tu vas le faire, dis. Pour Bertoun et grand-papa, qui se décarcasse pour nous tous les jours. Tu vas redescendre un peu des nuages. Dis-moi que tu vas le faire. Thank you.
qu'elle a? Elle a qu'elle va chez Madame Peter faire de la broderie. J'y vais aussi. La broderie, c'est pour les filles. Ça pique. Ça pique? Oui, ça pique. Ah, c'est pour ça que Michel dit toujours qu'elle est complètement piquée. Bonjour, madame. Bonjour, ma petite. Ah, bonjour, Loulou. Bonjour, Colette. Tiens, c'est pour toi, ça vient des îles. Merci, c'est très joli. Fais voir un peu. Ouais. Enfin, c'est exotique. Tenez, voilà les petites. Ça a l'air délicieux. Ah, bon, je retourne à la boutique. Loulou, vous faites pas de bêtises, hein? Non, non. Je compte sur toi. Bon. Voilà, c'est bon. Moi, quand je serai grande, je me marierai avec toi. Une fille, ça se marie avec un garçon, pas avec une fille. Mais si, moi, je veux me marier avec toi. De toute façon, t'es encore trop petite. Ben, quand je serai grande. Oui, mais moi, je me marierai peut-être avec Michou. Papa n'est pas là? Pas encore. Qu'est-ce qu'elle a? Je vais mourir. Dis donc, pas d'annerie. Elle a été faire de la broderie chez Madame Peter, elle a dû prendre froid. Ces deux-là, qu'est-ce qu'elles se croient? Mais qu'est-ce qu'ils fichent? C'est pas le jour, hein. Il sera peut-être allé voir le navigateur. Coucher le petit. Viens, mon Milet, viens, c'est rien. Je suis ici, chez moi. Bertoune aussi, elle est chez elle. Toi, fais gaffe, hein. Va te mettre la tête sous l'eau et réfléchis un peu à ce que tu fais. Tu m'entends? Oui. Jules, arrête. La petite est malade. Jules, écoute-moi. Putain, mère de putain, fille de putain. Tu vas voir. Si tu me touches. Bertoune! N'en aie pas peur, ma poulette, c'est rien. Toi, qu'est-ce que tu veux, hein? Allez, foutez-moi le camp, tous dehors, puisque vous allez rejoindre votre père, là, le navigateur. Allez, dehors! Toutes les putains, dehors! On partira pas! On en a marre. Tu veux la bagarre, petit? Je veux que tu laisses Bertoune tranquille. Fais attention à ce que tu dis, hein? C'est oui ou c'est non? C'est comme tu veux. Sans blague! Je t'en supplie, Jules, laisse-le! Alors, t'es un homme! Ouais, plus que toi. Toi, mon petit gars, tu seras pas toujours insolent. C'est moi qui te le dis. Moi, Leroux, Jules Leroux. Bâtard! Et fils de pute! Bravo! Ah. Il a glissé le grand Jules. Oh. Obéis bien. Mon gars, obéis bien. Aveuglément, attends. Tu as... Arrête, grand-papa. Mais arrête, tu vois pas que tu nous fais mal. Pourquoi tu nous fais mal? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
voilà une question. Faut pas commencer. Tu sais bien, il faut pas commencer. Oh, eh ben, quand on veut se battre, on pleure pas, hein? Ben, tout le monde pleure dans cette maison. Tu nous fais mal. Mais non. Allez, viens, va. Allez, viens. Allez. Si, on n'a plus le droit de... Allez. Arrivé comment? Je l'ai poussé. Il est tombé. Contre le mur. Il avait un couteau. Vous savez bien qu'il avait un couteau? La petite était trop malade pour partir où que ce soit. Il a quel âge maintenant, celui-là? Lui? Tout juste 14. C'est un môme. Il n'était même pas là. J'étais toute seule avec Colette, qui délirait. Et le titi qui tremblait au fond de son lit. Lui, il n'était pas là. Arrête, te fatigue pas. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là! Tu m'entends? Tu n'étais pas là! Tu n'étais pas là! Tu n'étais pas là! Cessez de vous raconter des histoires. Vous êtes sous le choc, c'est normal. Les flics ne se dérangent que pour un blessé ou un mort. Cette fois, ils viendront! La vérité, c'est qu'il était tellement saoul qu'il est tombé tout seul. Oui. Ben, les flics! Ils ne se dérangent que si on les appelle, pas pour une mort naturelle. Tu entends, mon garçon? Son cœur au grand Jules, il aurait aussi bien pu s'ouvrir en soulevant un sac de charbon ou de farine. C'est une mort naturelle, Bertoun. Naturelle. Faire un tour tous les deux. On se balade. Oh, il y a un manège. Ah bon? Bien, donne ton brassard. Je te fais un tour. T'es grande pour ton âge. Ça me fait drôle de vous voir tous aussi grands. Ben, il y a longtemps que t'es parti, c'est pour ça. Là, c'était pour mon travail, j'ai pas pu faire autrement. Ben, il y a longtemps quand même. Ouais. Dis, t'aimes bien les enfants? Bah bien sûr que j'aime bien les enfants, pourquoi tu demandes ça? Pour savoir. Ah voilà, comme ça tu sais. T'es contente? Même que je préfère les filles. Et tu le diras pas à tes frères, hein? Bah, pourquoi t'aimes pas mes frères? Mais j'ai pas dit ça. Oh, tu comprends tout de travers. Allez. Non, mais c'est un malentendu. Je fais pas la tête. Mais je fais pas la tête. Regarde,
tu pleures? Hein? Non, ça pose du foin. Ben non, tu pleures. Est-ce que tu me rappelles ta mère? Des poissons volants, t'as déjà vu ça? Des baleines, des dauphins. Des dauphins? L'ami du navigateur, le dauphin. On avait des dauphins qui suivaient le bateau. Il y a pendant des mois. Combien? Je sais pas combien ils étaient. Encore un peu de café, Simon? Ah oui, je veux bien, oui. Et les dauphins? Je fais une demande de HLM. Un grand logement, vous savez, comme Maurice. Clair, confortable. Ouais, avec une salle de bain. Eau chaude, eau froide. Tu ouvres un robinet? Ça sort. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, de chouettes carrées empilées les unes sur les autres, comme des boutons de vareuse, identiques, avec des chiottes bien alignées où tout le monde pisse en même temps. Michou, arrête. Est-ce que par hasard ça te déplairait, mon garçon? Il y a des fenêtres? Évidemment qu'il y a des fenêtres. Mais on n'en veut pas de ces fenêtres-là. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Ce sont de braves enfants, Simon. Quand vous les connaîtrez mieux, vous verrez que vous n'auriez pas pu en avoir de meilleurs. Oui, je sais. Vous avez fait ce que vous avez pu. Enfin, voilà. On habitera tous ensemble. Avec Bertoun? Ah, ben, c'est-à-dire... Vous pourrez peut-être... Non. Oh, j'en sais rien. Merci, Simon. Mais ici, c'est chez moi. Je veux pas aller habiter chez les autres. Moi non plus, je veux pas habiter chez... Michou, tu parles à ton père. Pardon. Écoute, mon garçon, je comprends que... Enfin, on se comprend mal. Je trouve que c'est assez compliqué comme ça pour que... Moi, ça me dérange pas que t'aimes vivre ici, mais... C'est pour Bertoun. Enfin, elle est... Faudrait peut-être la soulager un peu, quoi. Pense-y. Ouais, j'y pense. Je vais travailler. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? C'est pas une fantaisie. C'est un garage. Je suis presque embauchée. T'as plus qu'à signer. Oui, ben, c'est moi qui décide maintenant, mon petit gars. Faudra t'y habituer. Voilà. Michou ira en pension pour terminer ses études, puisque c'est un bon élève, Colette aussi. Mais je suis pas une bonne élève. J'aimerais bien ne pas être interrompu toutes les 5 minutes. Hein, pour Titi, on a le temps de voir venir. Comme j'ai pas le temps de m'en occuper, vous pourrez peut-être... Mais Colette est si fragile, j'ai bien peur que la pension... Mais on la soignera. Mais dites, croyez-vous que je me contente de la regarder? Merci, t'as pensé à tout. Sauf qu'en pension, j'irai jamais. Jamais! C'est pour toi qui commande. Je suis ton père et t'iras là où je te dirai d'aller. Et jusqu'à ta majorité, sera comme ça. On est bien content que tu te souviennes de nous. Mais moi, tu m'empêcheras pas de me barrer. Je suis ton père, dis-donc. Parle-moi sur un autre ton. Foutez le camp. Et vous fâchez pas, hein. Et dors! Ces gosses-là sont à moi. En 5 ans, ils vous ont vu 2 fois. En 2 fois, vous en avez giflé 2. Sortez, espèce de lâche, ou je vous sors un coup de tésonnier. Et rappelez-vous que même le grand Jules ne me faisait pas peur à moi. Et rappelez-vous que si vous avez envie d'aller pleurnicher dans le giron de la police, faudra amener le talon des mandats. En 5 ans, 2 gifles et une douzaine de cartes postales, c'est pas bien gros pour nourrir des gosses. Même le plus con des flics comprendrait ça. Non, non. Prends-la. Non. Mais si.
Alors j'irai la mettre là-haut, avec l'autre. C'est ça. Le navigateur, on savait bien qu'il finirait par revenir nous aimer un jour. Fallait juste lui laisser le temps, parce que, comme dit Bertoun, il y a des hommes qui grandissent moins vite que leurs enfants.